Et Niamh et Chaton, c'est Bakaneko-san sur YouTube et heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur The Evil Within. Alors, la dernière fois, on avait affronté une espèce de grosse bête dégueulasse qui était un petit peu agaçante, hein, disons-le comme ça. Et on s'en est mis plein les fouilles après. Genre, j'ai tout ce qu'il me faut. Ah non, il me manque une bastos de fusil à pompe. Bon, après, il y a les carreaux explosifs. Ah, j'en ai pas un à récupérer là-bas? Oh! Si! Donc là, on a fait une utilisation extensive du pistolet et du carreau explosif. Et on a joué à cache-cache. Et on s'est pris pour Solid Snake! Mais non, qu'est-ce que je fais? Oh, idiot. Terrible erreur du joueur français. Et on s'approche doucement de la fin parce que je crois qu'il y a 16 chapitres dans ce jeu. Encore. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Ok, il a une colonne vertébrale en acier. Bon, retour à Crimson City, semble-t-il. Retrouvailles. Est-ce qu'on va retrouver Joseph? Excusez-moi. On dirait que l'asile est le dernier bâtiment encore debout. Comment c'est possible? Tu es dans une simulation, Sébastien? À tous les coups, il va y avoir une statue là. C'est ça. Le truc, c'est qu'on peut pas sauter. On monte dessus. En espérant qu'on puisse la récupérer comme ça. Merci. Ouais, non, c'est par là. Bon, après, il va falloir se méfier. Je pense qu'il y a des infectés ou des... Je sais même pas comment s'appellent les ennemis dans ce jeu. Ah, les infectés, les déviants.
C'est visuellement très sympa quand même. Calmez-vous! Pour vos enfants. Ah non, pas de tête de coffre. Pas dans la cave. Pas dans la cave! Oh, on a quelque chose à aller récupérer dans la pièce d'à côté. C'est ça, il y a des... Il y a des ennemis dans le coin. 350, toujours mieux que rien. Un Magnum. Ce puissant revolver tire des cartouches de gros calibre extrêmement dévastatrices. Il semble avoir beaucoup servi. Étant donné que je suis pas fan de ces des armes gros calibre comme ça, parce que généralement dans les jeux on nous donne ces armes-là, mais on nous donne très peu de munitions pour aller avec, donc. Ça. Toi, est-ce que t'es plein au moins? Voilà, c'est qu'on peut en prendre. Quand il commence à te redonner des allumettes. Dire qu'il y a des cadavres à brûler. La lampe là, j'ai cru que c'était que ça allait être un piège explosif. Vu la forme, ça m'a semblé être ça. Il y a des fois, faut juste pas avoir peur. Alors, excusez-moi, il y a des travaux aujourd'hui chez mes voisins. J'entendrai parfois quelques coups de marteau. M'agace un peu. Thank you.
partir du moment où j'ai... Excuse-moi, j'ai les coups de marteau. Est-ce que vous les avez entendus? À partir du moment où j'ai vu cette bonbonne de gaz, je savais ce qu'il fallait en faire. Il y a quelque chose à venir récupérer ici, quelque chose d'important. À tous les coups, il y en a un qui va me voir, non? Alors j'essaye de faire ça le plus propre possible, hein, mais là, bon, le policier de tout à l'heure, c'est pas très très évident de... lui échapper. Non, monsieur. Voilà. Juste parce que c'est pas moi qui l'avais tué. Non, c'est pas vous qui avez tué un corps dans ce jeu, il vaut mieux le brûler, hein. Surtout si vous avez des allumettes. Là, il va me falloir la clé. D'accord, je sais même pas ce que j'ai ramassé, j'ai pas vu ce que c'était. Bon, j'ai bien fait de tuer tout le monde.
Je sais pas, j'essaye. On doit lui probablement lui forcer d'ouvrir la. Lui forcer à ouvrir la porte, quelque chose comme ça, je sais pas. Non. De toute façon, j'ai fait ça simplement parce que j'avais une grenade en plus là. Mais il m'a fait peur, ce con. Même d'essence. M'a vraiment surpris l'autre. Oui, alors là, s'il commence à être armé, moi je m'en vais. Hein. D'autant plus que... Ah si, ils peuvent me suivre. C'est un escalier, Sébastien.
D'accord, donc ils m'ont pas suivi parce qu'il y avait un retour. Il n'y avait pas de retour pour eux, donc. Vous voudriez bien me lâcher un peu là. Mais. Désolé, j'ai. Y a pas une statue non, je vérifie qu'il n'y en ait pas en dessous. Il n'y a pas l'air d'en avoir à proximité de vue de celui qu'il y a là-bas. La ramène quelque part, elle, on dirait. Un endroit où j'ai pied. Au niveau de la voiture, peut-être? Ouais, la voiture c'était le seul. Encore une monstruosité atroce. Alors on m'explique par contre, parce que moi je veux bien, hein. Je suis tout à fait d'accord, mais si on n'a rien pour aller dans l'eau et se protéger, j'ai bien compris qu'il faut monter sur les voitures, mais... Ah, il doit falloir lui caler 2-3 bastos et puis. Quitte à utiliser une bastos.
quitte à utiliser une bastos, autant lui en mettre une. Hein. Je ne retournerai pas dans l'autre sitôt. Si on n'y est pas forcé, Sébastien. Si on n'y est pas forcé. Voilà, exemple de pourquoi faut jamais se... Sauf si c'est vous qui l'avez tué, faut jamais faire confiance à un cadavre. Allô. Pour 1000 quoi. C'est quoi, ouais. Juste une copie. Ça prendra ça. Oui, là on a un petit peu de gel vert. Oh bah tiens. On n'aurait pas d'autres petits cadeaux dans le coin parce que je crois qu'il y avait des munitions de fusil à pompe à un moment. S'il pouvait y avoir autre chose. N'a pas l'air, mais c'est pas pour autant que ça n'est pas. Là, il y a des caisses. Dans le premier playthrough, de toute façon, j'arrêterai jamais de le dire. C'est la course à, c'est la course à tout ce que vous pouvez engranger. Vous commencez à avoir des armes un peu plus puissantes, un peu plus de. Un peu plus de munitions, un stock un peu plus grand que vous avez réussi à garnir. Dans les playthroughs suivants, ça va, mais dans le premier. Le premier, c'est vraiment. Une course de tous les instants. Oh, attendez, madame. Elle vous fait pas confiance.
Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Dites-moi que je rêve. Écoute, on est dans un endroit qu'est-ce qui s'est passé à peu près sûr, donc arrête de te plaindre. C'est lui qui a fait ça. Déjà, il a réussi à l'envahir en mettant son décor dans ta zone de sûreté. Inspecteur, est-ce que ça va? Vous vous rendez bien compte que personne ne viendra me remplacer? Oui, ma douce. C'est pour ça que je suis extrêmement heureux que vous soyez toujours là. C'est d'ailleurs pour ça qu'on s'est inquiété pour votre santé, madame. J'ai deux clés. Bon, déjà, j'ai fini de remplir les munitions de fusil à pompe. On regarnit nos munitions de carreaux explosifs. C'est intéressant. Quoi? Super. Que j'utilise jamais, ou presque. Bon. Un petit 7000. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire avec tout ça? Peut-être prendre un peu de... Peut-être prendre un peu de temps de sprint. Ouais, 6000, c'est pas... 10000 pour la jauge de vie, je suis pas fan. Ah, c'est quoi, c'est 42? Enfin, on a vraiment envie de trouver la réponse. Un petit peu de temps de sprint, c'est pas mal. Parce que là, j'aurais de quoi augmenter le multiplicateur de dégâts de mon pistolet et de mon fusil à pompe. C'est vraiment ça que j'ai envie de faire. Je sais pas, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le truc de seringue, c'est un peu cher, ça c'est complètement inutile. Les carreaux, j'ai tout. Ça, c'est pas utile non plus. Munitions de fusil à pompe, bof. Munition de pistolet aussi, 20, ça me semble bien, je suis à fond. Au niveau de l'agonie, j'ai entre guillemets tout ce qu'il me faut. Ah oui, mais 7000. 7000 pour des carreaux explosifs un peu plus puissants. Ça peut toujours être utile. Et ensuite, lui. Ça, l'attaque au corps à corps, c'est vraiment le truc qui sert à rien, je pense. Sauf si tu la max, peut-être, mais je sais pas. Peut-être que ça peut nous permettre de stun des zombies, qui, enfin des désinfectés ou des je sais pas trop quoi. On va appeler ça des zombies pour faire simple. Sauf des zombies qui te foncent dessus, peut-être de temps en temps ça peut permettre de les stun. Mais même ça, je suis pas sûr. On va rester comme ça.
Je vais aller sauvegarder, comme ça au moins on est tranquille. Ah, il y a un journal, peut-être même un disparu, oui. Alors, Inspecteur Brown, disparu. Inspecteur Arnold Brown de la police de Crimson City a déclaré posséder des preuves cruciales dans une affaire non résolue peu avant de disparaître. Corps mutilé. Un corps mutilé retrouvé dans les égouts. Le corps d'un homme a été retrouvé dans les égouts de Crimson City. Le crâne ouvert et couvert de cicatrices. La mort remonte à plusieurs mois. La piste du tueur en série Del Creever est envisagée. Je pense qu'il vaut mieux passer par là. L'environnement est capable de donner de bonnes idées. Malheureusement, c'est trop loin. D'accord, donc lui, il tire à la chaîne beaucoup plus vite que je ne pourrais le faire avec une arbalète qui est optimisée dans ce sens. Il tire des carreaux explosifs à la chaîne, pourquoi pas. Hein. C'est rigolo hein, de mettre une précision où en fait ce que tu cherches à viser, ben c'est tout ce que tu viseras jamais.
D'accord. Alors toi tu vas... Il a quand même eu le temps. Si je peux, hein. Qu'il va faire là en fait. D'accord. Ok, ben indubitablement c'est une phase du jeu qui est d'une intensité folle. Ça sent que je suis ironique là ou... Bon, bah en tout cas, je pense qu'on va voir ça à tête reposée, hein, dans un autre épisode.
On va se laisser ici. Donc, mes chatons, je vous fais à tous des léchouilles sur le museau. Je vous remercie d'être restés jusque-là et j'espère vous revoir tous très bientôt. Et surtout, en bonne santé. Allez, ciao tout le monde.